Et ouais, nous y sommes, un live stream. Au moment où les gens s'y attendaient le moins en plus, c'est toujours la classe, hein, 18h56, pour une fois j'ai un peu d'avance, ça nous change un peu. Salut à tous, bon comme d'habitude je m'excuse de la qualité complètement pourrie, hein. En même temps je peux pas faire mieux. Et donc je veux quand même vous signaler une toute petite chose. Ce live stream sur FIR sera le seul. Ce live stream sur FIR sera le seul. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi. Tout simplement parce que je pense que FIR est un jeu à se jouer seul. Hein. Là franchement je vais pas le cacher. Hein. Je vais être complètement rassuré par le fait qu'il y ait un chat, qu'il y ait des gens qui me causent à côté. Alors que c'est pas le but de FIR. Hein. Je veux dire pour Dead Space ça passe encore parce que le jeu ne fait pas peur. Hein. Et là, je vais en décevoir quelques-uns, mais je suis désolé, Dead Space ne fait pas peur, tandis que FIR, c'est quand même un jeu qui fout pas mal la flip. Donc du coup, ce sera le seul live stream, et puis ce live stream, je l'ai fait sur l'idée de Momo Incomparable, sur le groupe Facebook. Donc voilà, je le remercie. Non, je n'ai pas fini Dead Space, hein. De toute façon, je dois finir avec vous, hein. je ne continue pas Dead Space sans vous. Et on a toujours les sauvegardes du point de passage. Et je sais pas du tout où je dois aller. C'est merveilleux. Ben, j'irai par là, il y a des escaliers. Sinon... Ouh là là. Putain de merde. Voilà que mes écouteurs sans fil se déconnectent. Ça le fait pas, ça. J'ai besoin d'un petit peu plus de son. Allez! Bordel de merde. Je suis encore audible, là? Dites-moi tout. Enfin, je l'espère que je suis encore audible. Ok, non, parce que mes écouteurs sans fil se déconnectent quand il n'y a plus assez de son, en fait. Oui, Nokio. Que puis-je pour toi? Les toilettes, c'est au fond à droite. C'est cela, oui. Non, hey, tu te fous de ma gueule? Putain. Ralentis. Ralenti. Ah. Et je suis passé. La classe. Ouais. Eh putain, c'est vrai dans ce... Mais bordel de merde. Eh attends, il fallait que j'ai tué en fait. C'est tuable. Faut le dire plus tôt les gars. Prenez-vous cette grenade dans votre gueule, bah voilà, ça c'est fait. Ouais, d'accord, grenade, d'accord, je pensais que c'était un espèce de d'event automatique, mais apparemment non. Non, visiblement pas. On dirait des lasers de Star Wars, c'est pas faux. Oh, c'est mignon. Je vais foutre mon cul dessus, tiens. Allez, hop. Mets une grenade avant d'entrer, c'est pas con ça. J'ai encore des grenades, hein. On va utiliser le super sniper. C'est vachement efficace ce machin. Y a pas à chier, sauf que je vois plus rien. Putain de fumée de merde. Putain c'est dur à tuer ces machins. Putain, vas-y, bug contre le mur là. Ok, c'est bon. Là, je risque pas de me faire agresser par derrière. Oui, je sais qu'elle pète direct la grenade. Sauf que je retrouve pas le bouton pour faire les grenades. Alors que je le retrouve, d'ailleurs, ça doit être G. Yep. Ça y est, t'es mort. Putain. Putain, ils font mal ces machins, j'ai quasiment pas de... Ouais, je préfère les soldats... Les soldats tout con. Putain de merde, non, pas encore. Putain, quand je pense que sur mon ancienne partie, j'avais plus une seule trousse de soins. Putain.
Putain de merde. Il n'y a pas de quoi, Dorian Geek. Putain de merde, j'ai déjà bousillé 4 trousses de soins à cause de ces merdes là. Ouais, Fear est disponible à télécharger, mais uniquement en multijoueur. La partie solo n'est pas disponible. Et ça s'appelle Fear Combat. Et ok, Dorian. Si, j'en étais là, Nokio. Je le sais, je suis pas con, j'en étais là. Hein. J'ai regardé ma dernière vidéo, je sais quand même où j'en étais pour la dernière fois. Si, si, je te conseille d'aller regarder la partie 5. Hein. Est-ce que je change l'arme? Bah, je suis plein partout, en fait, donc... Non, non, j'en étais pas à l'espèce de gouttière. Je te signale qu'il y a une partie 5 qui a été uploadée dernièrement. Partie 5 qui date de 2011, c'est vrai, mais... Attends, je peux passer par là? Il fallait dire plus tôt, ça. Putain de merde! Bon, d'accord, je ne peux pas passer par là, j'ai compris, je vais pas me rendre ridicule plus longtemps. Bon, ça, ça tourne à 15 FPS, c'est jouable. Ok, allons-y. C'était quoi, là? Il y a quelqu'un qui a tiré. Ah non, 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 pas dans les vitres! C'est dégueulasse! Bande d'enfoirés! Putain! Putain, mais sans le ralenti, je sais pas comment c'est jouable, quoi. Il y en avait deux, il me semble. Putain, il fuit! Oh putain, 12 points de vie. Ouais, dédicace à... Lise Gabi, enfin, je sais pas. Il y a une sorte de stase. Non, c'est pas une stase, en fait, c'est un... Ils appellent ça la barre de réflexe, mais globalement, c'est un ralenti, quoi. Alors, dédicace à Elise Gabi. Elise, ou Elise. Elise Gabi, ben voilà, dédicace à toi, même si je ne sais absolument pas qui t'es et que je te verrai jamais. Ça me fait plaisir. Bah non, pas de bol, Shadow, parce que je meurs vachement moins dans Fear. Tu vas te faire chier hein, durant cette vidéo, je peux te dire. Poudoulou. Ah d'accord, je pourrais rentrer par la porte aussi. Ouais, c'est bien. Non, mais moi, j'aime pas les portes. Hein. Ceux qui auront regardé les autres... Non, non, mais Shadow, je l'aime bien, finalement. Hein. Les vieux trolls comme ça, on en voit pas souvent. Ça fait plaisir de voir que moi aussi j'ai des vrais trolls rien que pour moi. Ça prouve qu'on... Non, 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 mais j'en ai marre de ces merdes là. Viens par ici. Allez, viens, je t'attends. Viens là. Saloperie. Bah. Ok, il veut pas de moi. Je l'intéressais pas finalement. Ok. Ah non, non, c'est Nasband. Non, 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 lui pas... Merci Dorian Geek. Oui, Nokio. Pour la 8e fois. Oh cool. Vous êtes facile à tuer au moins. Ouais, bah j'ai un sniper de la mort qui tue, donc vous allez crever. Et il fait mal, hein, je vous conseille de vous casser. Oh non! Putain de merde! Ah! Salope, non mais... Ok... Le pire c'est que je l'ai le code d'invincibilité, hein, mais je ne l'utiliserai pas, c'est hors de question. Elise, oui, je l'ai dit, Elise, je l'ai dit trois fois. C'est pas de là d'où je viens là. Non, j'aurais pas dû revenir ici. Non, attends, le dernier point de passage, il est là? Foutage de gueule! Prends-toi cette grenade dans ta gueule! Et boum, headshot! Yeah! Oui, le code, c'est God, Miché.
Putain de merde. Allez hop. On va essayer de le buter avant qu'il me fasse trop de dégâts. Voilà. J'ai encore de l'armure. C'est nickel. Toi là, je sais qu'il y en a un qui va venir ici. Ramène-toi. Putain. Allez, amène-toi. Boom, headshot. Un problème? Quelqu'un veut se battre? Je suis dispo. Bon, cette fois, j'ai réussi à garder 10 trousses de soins. Je devrais pouvoir m'en sortir. Non, 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 non. On va se casser avant qu'ils arrivent. Là, parce que je suis en bord de fenêtre, saloperie. Putain, ça vole vite en plus. Allez, je veux des grands espaces dégagés, moi, quand c'est merde, là. Putain, mais ça fait mal. Bouffe la grenade, enfoiré. Putain, ça l'a même pas tué. Mais... Ok, tu veux jouer? On va jouer. Ah, Shadow, je vais te laisser retourner à l'école, c'est une preuve d'éducation. Hein. Fais H et tu vas taper. Non, H, je range mon arme. Nuance. Bon, sauvegarder ici, hein, j'ai pas envie de tout me retaper. Bordel de merde, oui, Nokio. Je sens que je vais passer mon temps à dire oui, Nokio. Yeah! À main nue! Oui, Ilise, oui, oui, oui. Ou alors Ili? Super, ils ont mis une salle ici, mais cette bande de rapaces, ils ont pas foutu. Illy, ok, voilà, donc dédicace à Illy. Voilà, Illy. Ils sont où les espèces de merde là? D'accord, je crois que j'ai provoqué un bug. Non, même pas. Rêve, saloperie de ta race! Putain. Oui, oui, c'est filmé avec frappe. Vous l'aurez en HD sur YouTube et Dailymotion. Voilà. Non, non, t'allais pas me surprendre plus loin, toi. Va te faire foutre. Putain. Oh, tiens, des munitions. Bon, re-sauvegarde parce que je suis très confiant. Oui, oui, ma mère est là, mais j'ai la porte fermée cette fois, je suis pas con. Bonjour! Tiens, je vois ta tête. Fais coucou à la caméra. Il y avait de ces merdes là qui s'étaient ramenées avant. Voilà. Dès que j'entends un coup de feu, ça veut dire... Bordel de merde. Quoi, 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 quoi? C'était quoi ce bruit? Bon, allez, on s'en fout, on continue. Je devais retrouver l'espèce de connasse blonde, là. Donc on va retrouver l'espèce de connasse blonde. T'as quoi comme arme, toi? Non, c'est pourri. Attaquer le quartier général d'Armakam plus tôt dans la soirée. Il y a peu de temps, nous
avons aperçu des tirs traçants suivis de plusieurs explosions. Nous n'avons aucune information concernant les pertes possibles. Oui, Nokio, j'en étais là, et d'ailleurs, c'est précisément de là que j'ai repris, hein. Tu pourras voir, c'est juste que j'ai pas les mêmes armes, hein, parce que je vous le rappelle, j'ai perdu ma sauvegarde. Donc du coup, j'ai été obligé de tout me retaper. Ouais, bon, bah, Alma, à la limite, elle, je m'en fous un peu, hein, c'est pas la plus dangereuse. Ouais, vérifiez les escaliers. Venez donc vérifier les escaliers, ça va être marrant de vérifier les escaliers. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous plaît de vérifier les escaliers? Moi, ça me plaît, en tout cas, de faire des bouillies avec vos cadavres, là. De toute façon, ça, je vais l'utiliser. Le sniper, je vais l'utiliser jusqu'à que j'ai plus de munitions. Je suis pour personne, je déteste le foot. Franchement. Je sais que j'en déçois quelques-uns, mais je déteste le foot. Non, parce que moi, avoir 22 joueurs courir après une babale, non merci, hein. J'ai mon chien pour ça, puis lui, il la rapporte au moins. Donc voilà. Super, c'était par là? Ou pas? Ah bah tiens, c'était par là. Bon, il me reste 60 points de vie, c'est génial. Ah, un message! Ouais, on aime les messages. Vous avez de nouveaux messages. Premier message de... Alan Wade. Geneviève, ici Alan Wade. J'ai bien lu ton message. Premièrement, ne fais pas comme si tu savais ce que je ressens. C'est insultant. Et ne me dis pas comment enterrer ces vieux démons comme une pièce de balle. En fin de compte, on n'en serait pas là si tu n'avais pas ignoré mes avertissements. Désolé pour le brisage d'ambiance. Je veux t'enfoncer encore et encore. À force de t'enfoncer, tu vas te retrouver direct en enfer. Message suivant de... Phil Vecchio, j'ai eu ton message, Geneviève. Je pense que ce que Harlan essayait de te dire, c'est de ne pas tirer de conclusions hâtives. Je comprends qu'on est... Il faut penser de façon stratégique. Rouvrir la chambre maintenant me semble être une mauvaise idée, après tout ce qui s'est passé. Ferait probablement que rajouter de l'huile sur le feu. Fin des messages. C'est ça, c'est cool, j'en ai rien à foutre, donnez-moi des ennemis à tuer. Oh, il est mignon le bug là, je trouve. Ça, à mon avis, c'est un bug. J'ai roté parce que Skyblue m'a dit qu'il avait mis le son à fond au moment où j'ai roté. Ça, c'est un putain de bug même. Ça, vous savez à quoi ça me fait penser? Je sais pas si on a... S'il y en a qui ont joué à Half-Life ou Half-Life 2, vous savez, les machins qui vous aspiraient, là, puis qui vous ramenaient vers eux, avec leur langue bizarre, là. Ça me fait penser à ça. Après, il faut avoir joué à Half-Life. Du coup, en fait, le pire, c'est que j'ai vu le bug. J'ai vu le bug, je me suis dit, oh putain. Oh putain, oh putain, oh les enfoirés. Ça c'était première embuscade dans laquelle ils arrivent à m'avoir. Putain, je m'y attendais pas à celle-là. Oh merde, je suis nouveau à la vérification des escaliers. Allez, venez vérifier les escaliers, c'était marrant comme la dernière fois. C'est cool les escaliers. Venez aux escaliers. Allez, pourquoi vous venez pas aux escaliers? J'aime ce sniper, y a pas à chier. Va te faire foutre. On a un autre troll en plus de Shadow, sauf que Shadow, je le trouve plus sympa. C'est fou, hein. Shadow, j'ai même du respect pour lui, tandis que Mamal, je pense que c'est juste un enculé. Voilà. Vous avez deux... Non, c'est bon, je vais pas les réécouter. Bon, ici, il va y avoir une embuscade. Ah bah tiens. Oh, hey, dis donc, la bestiole de Half-Life, elle s'est déplacée. Bon, d'accord. J'ai plus de grenades. Mais par contre, j'ai des mines. Comment je fais pour changer de grenade, déjà? Putain de merde. Ah, voilà.
mine de proximité, ça va faire du bien. Voilà, amenez-vous donc. Crétin. Ah, c'était beau. Ah, y'a pas à chier. Oh, il a explosé. J'aime bien parce qu'il est réduit à l'état de squelette quand même. C'est complètement OP cette arme. Oh, des grenades. Ça, c'est gentil, les gars. Et de l'armure. Oh là là, mais dis donc, je suis gâté. Je suis gâté. Pourquoi t'es pas mort? Ben, je suis déjà mort une fois, Shadow. Dis donc, Eo. Je veux pas te faire plaisir trop souvent non plus. Hein. Excuse. Je veux bien crever quelques fois pour te faire plaisir, mais... Quand même, hein, faut pas pousser. T'es pas d'accord avec moi? Hop, une petite sauvegarde. Merci, Nokio, de... Enfin, Boss Plastic, de me le rappeler. Peut-être plus tard, Shadow, ok? Ouh là là, c'est une grande salle. Soit il y a un boss, soit ça pue l'affrontement. Mais ramenez-vous, je vous attends, moi. Mais oui. Pauvre crétin, va. Oh, une tasse. Yeah. Non, franchement, je sais pas. Dead Space, c'est pas un jeu que j'aime pas. Hein. Putain. Bon, j'aimerais bien parler, les gars. Vous pourriez arrêter d'être tout le temps en attaque et tout. Vous êtes chiants, là. C'est ça. Laisse bien dépasser ton bras que je puisse te... Enfin, bref. Je voulais dire, Dead Space, c'est pas un jeu que j'aime pas. Alex Love, j'en sais rien, vu que de toute façon, ça avait complètement foiré la dernière fois. Dead Space, c'est pas un jeu que j'aime pas, du tout, hein. C'est un jeu sur lequel je m'amuse beaucoup, mais je dois reconnaître que je prends beaucoup plus de fun sur Fear, qui pourtant est bel et bien un FPS, vous savez tous depuis le temps que les FPS me détestent, hein. C'est pas moi qui déteste les FPS, c'est les FPS qui me détestent, hein. Je pense que je dois pas être le seul dans ce cas-là, hein. Par exemple, moi, vous me mettez sur Call of Duty, genre, j'adore jouer à Call of Duty quand j'en ai l'occasion, mais je crève, hein. Donc, du coup, voilà, hein. Non, pas encore, Caritus. Ah, faut appeler l'ascenseur. Ah non, j'aime pas les ascenseurs, c'est pire que dans Dead Space, là, les ascenseurs, les trois quarts du temps, il y a Alma qui apparaît. Putain... Ouais, d'ailleurs, par rapport à Call of Duty, puisque j'en parle... Bon. Je viens d'arriver à ma voiture. On laisse parler la grognasse. Wade, si vous pouviez attendre une minute. Je ne peux pas, je dois y aller. Miss Wade. Bon, bref. Allez sur le toit du parking pour la récupérer. Vous pouvez encore y être avant elle. Ouais, j'y vais. Non, je peux plus y être avant elle. Enfin... Bref, je disais, par rapport aux vidéos Call of Duty, il y a, je sais pas si vous connaissez, il y a Mister Levy12, hein, j'ai découvert ses vidéos dernièrement, il fait des très bonnes petites vidéos sur Call of Duty, d'ailleurs il est très bon en ce jeu, donc je vous conseille d'aller le voir. Ça s'écrit comme ça, hein, MR, LE et V12, le chiffre 12, voilà. A plus Shadow. Non, il y a encore un V avant le... Voilà, merci Dorian. Sans les guillemets, en fait. On m'explique pourquoi il y a un air de guitare électrique à l'arrière-plan, là, qui va pas du tout avec l'ambiance. Ah, je dis pas que c'est moche, hein, mais... C'est même vachement sympa, mais... En fait, j'ai cru qu'il y avait mon lecteur VLC qui s'était lancé en arrière-plan sans rien me dire. Merde! Voilà.
Et le dernier qui doit être par là, j'en ai vu un. Non. Ouais, j'ai plus beaucoup de vie, plus... Ah, ça tombe à merveille. Kit de soins. N'empêche, ce sniper, il est complètement overpowered, quoi. Sérieux. C'est hallucinant. Tu tues les ennemis en un coup. Ouais, ouais, venez vers moi. J'ai laissé un petit cadeau pour vous. Ouais, viens, viens, viens. Amène-toi. Amène-toi, je te dis, descends. J'ai laissé un cadeau très gentil. Bon, d'accord. Tu veux pas aller sur le cadeau? Pas de problème. Putain! Viseur de merde qui bouge quand tu te prends des coups. Oula! La vie, la vie, la vie. La vie, la vie, la vie, la vie. Putain de merde, faut que je me casse. Je suis au fond de ce parking de merde. Putain! Mais depuis quand ils font si mal, ces trous de balles, là? Ah ouais, ça fait mal, hein. Putain, j'ai plus de trousse de soins. Là, je crois que ça va faire plaisir à Shadow, je vais bientôt crever. Je peux récupérer ma mine, s'il vous plaît? Mais quel con! Mais quel con! Oh putain! Alors, là... Oh merde, putain, non mais là, comme dirait le Hooper, j'ai joué au crack ou casse, hein. Putain. Non mais sérieux, comment j'ai pu faire l'erreur de confondre le tir avec le bouton de récupération? Bordel de merde. Bon bah du coup, j'ai de nouveau 4 trousses de soins. On va éviter de se faire trop tirer dessus. Du moins, essayez. Ah là, cette fois, je m'en sors vachement mieux que la dernière fois. Oh putain, grenade de mes deux! Salopard! Putain. Bon. Cette fois, on va se méfier. Mais l'autre connasse, elle est partie en voiture. Comment je suis censé la récupérer à pied? Faut arrêter le délire, là. J'ai pas d'autres grenades. Ah, si. Oui, c'est ça. Essayez de me choper à la grenade alors que je suis planqué derrière un mur. Bande d'abrutis. L'intelligence artificielle, c'est pas toujours ça, hein. Putain, il me tire de où, lui? Il m'a tiré à travers le poteau, quoi. Ah, c'est doué. Non, mais t'étais pas planqué, là, hein, j'ai envie de dire. Ah! Crève! Je l'ai eu? Non, bien sûr que non! Pourquoi je l'aurais eu? C'est bon? Tout le monde a clamsé? Et c'est pas la voiture de la grognasse, ça? C'est la voiture qui s'est barrée avant, ça? Bon. Bah quoi qu'il en soit, la grenière c'est plus dedans. Oui, Caritius. Ah oui, c'est vrai, une sauvegarde. Oui, j'en ai déjà rempli pas mal des cimetières sur Fear hors livestream.
Dorian Geek, sachant que t'as au moins 10 secondes de retard sur l'endroit où je suis moi, j'ai pas trop à m'inquiéter. Putain, je suis poursuivi avec les propositions de test jusque sur les live streams quoi. La rançon de la gloire. Non, 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 pas éliminez-le. Éliminez-le, c'est pas bien. C'est pas gentil du tout, ça. Putain, mais ce viseur qui bouge quand tu te fais toucher, c'est juste horrible. Oui, je sais, Caritus, il est déjà dans notre liste. On le testera un jour. Ne désespérez pas, on testera tous les jeux que vous nous avez proposés. Mais on sait pas quand, putain de merde! Là, je suis foutu. Putain, mais... Ouais, bon. C'est comme le sniper sur Alliance of Valiant Arms. C'est impossible de viser précisément avec ce truc. Ouais, c'est gentil de me lancer des grenades. Tiens, retour! Ah, la mienne, elle a fait mouche, apparemment. Oh, putain, non, pas ces machins. Ça, c'est mortel. Ah, là, je vais crever. Bon, allez, je me casse. Un moins. Et j'ai plus une seule trousse de soins. Pour une fois, on va y aller stratégique. Enfin, c'est pas stratégique, c'est une stratégie de pute. C'est bon. Je peux y aller. J'ai plus du tout de trousse de soins. S'il y a encore quelqu'un, je suis globalement décédé. Apparemment, c'est bon. Il me reste 9 munitions pour le sniper. Je vais commencer à être vraiment dans la merde. Aïe, aïe, aïe. Bon, sauvegarde. Je sais pas si c'est une bonne idée de sauvegarder maintenant, parce que j'ai quasiment plus de vie. Mais bon. Je pourrais tout aussi bien me tirer une balle dans la tête, là. Oui, mais Dorian, c'est comme sur Dead Space, tu sais, sur Dead Space, la dernière partie, je suis mort 27 fois de suite, et je suis quand même passé. J'ai de la patience et de la persévérance. Voilà. Oh, putain. Vous pourrez flirter plus tard, faites-moi décoller cet appareil. Putain de merde, j'ai eu la trouille de ma vie, là. Putain, je me disais, ça y est, je vais crever. C'est cool, merci les développeurs, vachement sympa. Une porte où il y a des murs de chaque côté, comme ça, tu peux pas te mettre à couvert. Merci. Les coordonnées qu'Alice a récupérées indiquent une position en plein milieu du complexe industriel de Rammelmeyer, à Auburn. L'endroit est complètement désaffecté. Pourquoi là-bas? Ma foi, j'ai fouiné un peu. Il s'avère qu'Armacam a acheté le site au gouvernement dans les années 50. Écoutez ça. Il y avait une sorte de complexe militaire souterrain dans la zone. Je ne crois pas qu'Armacam s'intéressait à ce qu'il y avait sur la propriété, plutôt à ce qu'il y avait autour. Oh putain, ça je m'y attendais, mais pourquoi je m'y attendais? Dust 2. Ouais, bah on est dans un écho, on risque fortement de crever, mais moi comme je suis le héros, je vais pas crever, mais mes camarades, je sais pas. Il a l'air d'aller bien, mais le pilote est mort, et Jean a pris un mauvais coup. Et vous? Je m'en sortirai, mais je crois que je ne ferai pas de sport avant longtemps. Super, la blague de merde. Vous voulez vraiment l'envoyer tout seul? Ce type-là ne plaisante pas. Nous n'avons pas le choix. Fettel peut se trouver n'importe où et Alice est là-bas toute seule. Si vous devez attendre que les renforts arrivent, elle ne s'en sortira pas.
sommes encore assez loin du complexe de Rommelmayer. Il va falloir que vous terminiez à pied. Mec. Activité ennemie intense dans la zone. Attendez-vous à ce que ça chauffe. Ils vont tout faire pour qu'il n'y ait pas de survivants. Bah oui, comme d'hab. Mais j'aime bien le mec là qui me fait « Vous êtes sûr de vouloir l'envoyer tout seul ? Ces types-là ne plaisantent pas !» Ben, je sais pas s'ils se rendent compte que je viens de bousiller là, durant tout le long du jeu jusqu'à maintenant, quelque chose comme 4 bataillons entiers, voire plus, hein, bataillons d'une centaine d'hommes chacun. Mais oui, c'est vrai. Autant s'inquiéter pour moi maintenant, hein, après que j'ai buté presque la totalité des armées de Fettel, hein. Après tout, pourquoi pas. Je parie tout ce que vous voulez que la contamination de la nappe phréatique à Auvergne est due au complexe d'Armacam. Oh, il est mignon celui-là. C'est sûrement pour ça qu'ils ont envoyé quelqu'un à cette usine de traitement des eaux. Ils ont peur que je remonte la piste. Remonte la piste. Oh. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben non, finalement, ça remarche. Youpi! Eh ben, on a eu de la chance les gars, hein, quand même. Là, Livestream a soudainement décidé de refonctionner. Désolé pour la coupure aussi, les gens sur YouTube, c'était pas volontaire, hein. Proche, toi! Putain de merde. J'ai toujours zéro trousse de soins. J'ai toujours rien. Putain de merde! Venez tous par là. Ça sera plus simple. Bien. Bien, je te dis, j'ai des bonbons. Bien parler à Tati Nasband. Elle est gentille, Tati Nasband. On prend des... Oh, une trousse de soins. Ça y est, les gars, je revis, j'arrive. Eh ouais, ça fait mal, je l'admets, mais bon. Bon, toi t'es l'exo... Bah tiens, vu que j'ai bientôt plus de munitions de sniper, je vais prendre ton machin à pic là. C'est pas mal ça. Quoi, torche? Non, non. Non, 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 non. Ouais, et c'est pas fini de te tirer dessus là, je peux te dire. Putain de merde. Je vais pas oser faire ce que je veux faire. Eh ben si, je vais oser, tiens. Et ça a marché, la mine de proximité jetée à ses pieds, il a rien vu, hein, moi je sais pas. On me balance ça à mes pieds, j'ai tendance à me casser. Eux, ils disent rien à foutre, c'est juste une mine de proximité, elle va pas se déclencher pour un pauvre petit gars comme moi. C'est logique, voyons. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les FPS sont vachement plus fluides dans cette mission. Est-ce que j'utilise tout de suite ma trousse de soins? Non, je la garde pour plus tard et je sauvegarde. Je vais la garder le plus possible. Ouf. Oui, Shadow? Tu veux que je crève? Ça va pas tarder, hein, vu que j'ai pas utilisé ma trousse de soins. Eh bah si, je vais utiliser vu qu'il y en a deux. Et voilà. Dommage pour toi, Shadow. Je suis navré, il y avait deux trousses de soins. Non mais je te jure, Shadow, c'est pas pour te... Pour pas te faire plaisir, je suis désolé, il y aurait pas eu deux trousses de soins, je te jure que j'aurais pas utilisé et que je serais mort au prochain spawn d'ennemi. Mais voilà, pas de bol, là. Je suis navré. Oh putain! Tenez, bouffez la mine de proximité, elle va vous faire du bien.
Ouais, mais j'ai nouveau 25 points de vie, hein, Shadow. C'est bon, je vais bientôt crever, je pense. Et voilà comment on nique des abrutis. J'oublie que j'ai un ralenti de temps en temps, moi aussi. Je suis un peu con sur les bords. Oh, une trousse de soins. Je vais de nouveau pas crever. Désolé, Shadow. Ah là là. Non, mais les gars, franchement, sérieusement, vous acharnez pas sur Shadow. Moi, franchement, et là, je parle sincèrement, c'est un type que j'aime bien. Franchement, je le trouve marrant, à toujours vouloir me voir crever, alors qu'il y a tout le monde qui m'encourage. Hein. Il faut un côté sombre et un côté de lumière, hein, que ce soit chez les fans ou chez les testeurs. Shadow, c'est notre côté, c'est votre côté sombre des fans. Voilà. Bah, pour que je fasse Rambo, faudrait que je sache où je dois aller. Toi, t'es planté au mur. C'est mignon. Allez, hop. Ah bah tiens, il fallait monter bêtement, je pense. Oh! Non, mais je veux pas changer d'arme. Je veux prendre un bonus réflexe, des trousses de soins et de l'armure. Alors là, Shadow, il va vraiment être déçu. Oui, Shadow, c'est un compliment, hein. Non, je ne te déteste pas. C'est vrai que tu m'avais vraiment saoulé sur la vidéo de Dead Space, hein, quand j'arrêtais pas de crever en boucle, mais j'ai appris à relativiser. Mais en fait, je suis complètement paumé, là. Et je crois que ça, même Shadow, ça va lui faire chier, quoi. C'est pas marrant, la vidéo d'un testeur paumé. C'est quoi, ça? C'est quoi pour un genre de mine? Ah oui, c'est les bombes télécommandées, c'était marrant. Ouais. Je suis paumé. Ah, ah. Oh, super. Et puis la lampe, aux piles alcalines, là. Sérieux? Commence à saouler. C'est bien, ils ont laissé la rampe, mais pas les escaliers, c'est vachement utile. Puis comme... Vous voyez, ça c'est le genre de truc qui me fait mais super marrer dans les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'un être humain normal, il serait tout à fait capable de s'accrocher à cette rampe pour monter ici. Un héros de jeu vidéo, il est capable de décimer des bataillons entiers, mais s'accrocher à une rampe, hein. S'accrocher à une rampe pour monter sur ce petit rebord de merde que n'importe qui pourrait monter dessus, lui, non, il sait pas. Tiens, je suis déjà passé ici avant. Non, il me semble pas. Ça me dit rien. Est-ce que je serai en train de trouver la sortie? Non, pas du tout. Putain. J'essaierai, Shadow. Je ne promets rien, mais j'essaierai. Putain, puis je retrouve... Alors, mon sens de l'orientation sur Fear, il est à chier, quoi. Autant je m'y retrouve tout de suite sur Dead Space. Bah, il y a un peu le fil d'Ariane aussi. Oui, c'est là qu'on monte, voilà. Non, c'est pas là qu'on monte. Alors, c'est peut-être là qu'on monte. Au fond du couloir. Non, dans Dead Space, c'est vrai, il y a le fil d'Ariane, c'est vachement pratique. Mais alors, dans Fear, c'est des merdes-toi, puis c'est des niveaux putain de labyrinthique en plus. Et... Ah, non. Si, non. Je suis déjà venu là, ici, avant, non? Bah oui, il y a des morts, forcément que je suis déjà venu ici. Putain, mais quel con, j'ai juste pas été au fond de la pièce. Voilà, on reprend les gens. T'es juste trop con pour voir le fond de la pièce. Oh putain de merde! I'm in shit! I mean real shit. Putain. Bordel. Bon, Shadow doit être content. Mais en fait, mis à part la joie de Shadow, je suis en train de me poser une question. Comment je passe ça? Oui, j'avais du soin, mais j'ai pas pensé à l'utiliser en fait. Bon, je vais directement prendre mes bombes télécommandées.
Et elle était où la sortie déjà? Putain, mais j'ai vraiment aucun sens de l'orientation sur ce jeu de merde. C'est quoi qui te ferait plaisir, Nokio? Putain, la sortie est là. Attends, vous voulez dire que mon dernier point de sauvegarde, il est là? Mais vous vous foutez de ma gueule. Non mais sérieux, non. Il y a du foutage de gueule. C'est pas possible. Bon, avant tout ça, avant toute chose, il y avait la fameuse trousse de soins à les récupérer. Ici. Ensuite, il faut que je ressorte et que je tourne à droite. Oui, je suis obligé de me faire des points de repère parce que je me... Boum. Bon, point de sauvegarde ici. Il n'y avait pas une sauvegarde rapide dans ce jeu, genre F5, voilà. Cadeau. Voilà, ça c'est fait. On reprend. Oui, Caritius? Non, non, mais faut pas vous y méprendre, les gens, hein. Autant les FPS me détestent, mais autant je suis capable d'avoir des réflexes de folie dans les FPS de temps en temps. Bon. Pour une trousse de soins, on prend les bombes télécommandées et on prie. Putain. Y a pas une autre issue? Franchement, je suis obligé de passer par le robot? Mais pète, saloperie de grenade! Putain, moi je me casse, hein. Putain, mais il crève en combien de temps, ce machin? Bordel de merde. Je l'ai plus, mon sniper, Nokio. Ok, on va placer les bombes à l'avance, c'est pas con ça. On essaie de les placer sur son chemin. Non, pas H, G, merci. Les mines de proximité. La totale. Wow! Et il est toujours pas mort, j'y crois pas. Si? Ah ouais, je l'ai clairement défoncé. Ah mais je lui ai mais défoncé sa race au machin. Putain. Merci pour celui qui a conseillé les bombes. Ça me fait plaisir. Sinon j'y aurais pas pensé moi-même. Le nom du snipe, j'en sais rien du tout, Caritius. Ouais, c'est pas la dernière fois que tu te fais tirer dessus, mon gars. Y a moyen de passer là où je peux pas... Oh putain, des snipers. Un sniper de moins. Bon ok, il est trop con pour réussir à me tirer dessus avec un sniper. Mais GG. Ok, Ilyes, voilà. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Putain de merde, mais ils sont persévérants ces snipers là. D'ailleurs si je pouvais aller de l'autre côté pour leur voler leur sniper, ça me ferait plaisir. Ça c'est fait. Ouais non mais attends, si je passe là je tombe. Attends, on va sauvegarder d'abord. Petite sauvegarde rapide, hop. Ah bah non, ça passait. Ok.
Ah bah il y a un sniper. Nickel. Alors attends, le sniper s'appelle le fusil à particules type 7, voilà. Il y a quelque chose qui a tiré là. Ah d'accord. Ouais, ça fait mal. Il y en a un autre qui est amateur là. Ah. C'est bon. D'autres petits amateurs? Caritus, je connais le code des munitions infinies, c'est AMO. Sauf que je ne vais pas l'utiliser, je la joue fair play. Et comme je pense que Alex Love a raison, je vais prendre une mitrailleuse. C'est quoi ça? Canon automatique. Oh putain! Oh putain! Oh, ça va me plaire. Allez les gars, montrez-vous. Là, j'ai un nouveau joujou. J'ai un nouveau joujou, les gars. Montrez-vous. Putain, t'es où? Ah, t'es là. C'est mignon. Ça me fait plaisir. Aïe. Oh, l'enfoiré. Bon, j'avais fait une sauvegarde rapide. Osef. La 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 la. On en refait une parce que j'ai pas envie de me retaper soit à la con à chaque fois. On reprend le sniper ici, la vie. Et on est paré. Oui, moi aussi j'ai un contact. Aller dans la caisse. Ouais bah qu'ils aillent dans la caisse, ça me dérange pas, hein, je suis en ligne même. Bon bah, les chats ont qu'à aller dans la caisse, hein, s'ils ont envie, je vais pas aller les en empêcher, je vais pas leur tenir la queue. Il y a des gens qui te disent bonjour. Beaucoup de monde là, je sais pas, vous êtes combien les gens? Attends, ils ont du retard là, et ils sont 17. Bonjour 17 gens. Voilà, ça c'est fait. Au revoir 17 gens. Tu peux refermer la porte, maman? Parce que après tu vas me gueuler dessus que je couvre le son de la télé, je te connais. T'es chiant. Oui, je sais, merci, toi aussi. Voilà. On prend le canon en particules. Oh putain, ils font mal les enfoirés. Putain mais... Bon d'accord, je garde le sniper, juste le temps de faire ça. D'accord. Ils veulent la jouer hard. On va la jouer hard. Putain, bande d'enfoirés. Oh, je viens de sauvegarder en plus. Culé, va. Bon, ça c'est fait, ça commence à me saouler ce passage de merde. Putain, bon, toi là-bas. Tu veux aller à l'autre fenêtre? Viens à l'autre fenêtre. On va faire connaissance. Maintenant je rigole plus, ça va chier. Nosebond est dans la place. Quand Nosebond est dans la place, ça fait mal. Maintenant, faut que je repère où sont ces trous du cul au sniper, là. Là. J'en ai vu un. Je me planque ici. Un de moins. On recharge. On sauvegarde. Voilà. On recharge et il devrait y en avoir un troisième. Ouh, je suis là. Ah. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je peux prendre mon canon en particules. Non, je peux pas prendre mon canon en particules, putain. Se déplacer.
Il y a un tout petit bout qui dépasse. Ça, pas suffi. On va essayer de prendre le tout petit bout qui dépasse. Voilà. Avec un pixel visible. Mais boss Ploutik, je fais des sauvegardes rapides. Je ne suis pas fou. Quoique j'hésite. Est-ce que je garde le sniper et puis je l'échange contre une autre arme? Non, parce que... Ouais, non. Merde. Tant pis pour le... Putain de merde, mais vous êtes combien? Comment ça me saoulait, ça? Putain! Bordel! Bon, t'es où, enculé? T'es là. Montre-toi, fais-moi pas chier. Voilà, crève. C'est bon, je peux récupérer mon truc? Merci. Ok, on échange avec les deux flingues. Pouf. Voilà. Maintenant, je me casse. J'en ai marre de ce coin de merde où je me fais shooter au sniper. Oui, Ninette me réveille le soir, oui. Putain, mais ça vaut rien, ce machin! Non, mais non, bon, ok. Ça vaut rien, ce machin. Non, franchement, c'est... Quoique ça doit valoir quelque chose si... Non, j'ai plus aucune grenade, j'ai tout dépensé. Non, il m'en reste une! Là, ça va chier. La situation, elle est que vous allez péter. Voilà, ça c'est fait. Et je vous emmerde. Voilà. Là, on y est. Putain de merde. Enculé, va. Bon. Où j'en suis, là? Des cadavres. Des snipers, mais c'est cool, ça se fait plein de munitions. Merci, les gars, c'est gentil. En fait, j'aurais même dû venir ici directement avec une mitrailleuse et les buter comme ça, quoi. Sérieux. Bon, ils essayent de me faire peur avec une musique flippante. Non mais regardez-moi cette belle brochette d'abruti, là. Tôt dans la journée, un autre hélicoptère Black Hawk de l'armée avait été abattu par un appareil appartenant au groupe. Ouais, c'est marrant de près cette arme, en fait. Viens par ici. Une trousse de soins, mais comme ça tombe bien, donc on va sauvegarder. Gotcha! Voilà, ça c'est fait. Pu pu pu. Il y en avait encore un, il est passé où? Ah, je crois que... Ah, bah j'ai failli louper ça, dis donc. Qu'est-ce que c'est? PV augmenté définitivement, et ça me redonne toute ma vie en plus, sans que j'ai besoin d'utiliser la trousse de soins, et il y a une deuxième trousse de soins. Dis donc, la vie est belle, les gens. La vie est belle, je vous le dis. Il y en avait des planches ici, apparemment ils voulaient pas qu'on passe, hein. Est-ce que ça paraît très prudent de se jeter là-dedans? Il y a de l'armure, c'est cool. C'est pas d'où je viens là? Oui. Donc à mon avis je dois me jeter dans le trou, mais on va quand même faire une petite sauvegarde rapide. Ah oui, merde, j'ai promis à Shadow. Faut que je trouve un endroit où me faire défoncer. Je suis désolé, mais tout le monde est mort, et puis visiblement je peux pas passer au travers des fenêtres. Ah là là. Bon, on verra bien si je crève dans ce trou. Ça voudra dire que c'était pas par là. Eh ben non, eh ben je vais pouvoir me faire défoncer un coup, comme ça, ça fera plaisir à Shadow. Vous voyez, je pense à votre confort. Je dois localiser le complexe industriel Rammelneyer. Why not? Ah, mais c'est la poufiasse. Est-ce que c'est elle la personne que vous cherchez? Oui, et là je pourrais...
D'accord. Elle est avec le fromage de chèvre, la faisselle. Non, cette blague n'est pas de moi, je la tiens de Sizepack. Elle m'a dit tant de choses. C'est cool. Elle t'a dit quoi? Je devine qu'elle va crever, la blonde. Bah, en même temps, elle a qu'à rester avec moi, cette salope. Mon Dieu. Oh, mon Dieu. Oui. Bon, bah, on avance, hein. Dans la joie et la bonne humeur. La 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 la. Salut, Alma. Oh, putain. Je déteste ces machins. Et je sais qu'au bout d'un moment, je devrais les combattre en masse. Bon, en même temps, les blondes, c'est comme les blacks, c'est destiné à crever dans les jeux vidéo. Hein. Et c'est pas raciste, hein, c'est réellement comme ça. Bon, je suppose que ça, c'est la fin de la mission. Et ouais. Du coup, vous savez quoi, les gens, là, ça fait quand même 55 minutes de live stream, si je calcule bien, donc on va s'arrêter là. Parce que j'aurais déjà pas mal de montage à faire. Surtout que là, je vais être obligé de l'encoder en HD pour qu'on puisse voir vos jolis commentaires. Ça me dit quelque chose ici. Il me semble que... Ta gueule, l'hélicoptère. Il me semble que je l'avais fait avec Adrette en multi. Le satellite m'indique des déplacements ennemis massifs. Ils sont partout. Surveillez votre... Ils sont partout. Bon, bref, rituel, me demande-t-on. On va faire le rituel. Derrière. On va laisser parler l'autre camp d'abord. Bon, voilà, on se met sur pause et on dit le rituel, le nom de tout le monde. On a Alex Love, XK Blue, Nokio, Zetriox, Caritus, Boss Plutik, Geki, Nokio... Deux secondes, Boss Plutik, je t'explique ça après. Zetriox, je crois que je l'avais déjà dit, sauf erreur. Mais bon. Bref, il y a Shadow aussi, lui je l'oublie pas, il y a un pot inspector. Je crois que j'ai dit tout le monde là. Non, alors, dédicace à Ilyes et Gotcha. Voilà. Shadow, je l'ai déjà dit. Voilà, je crois que j'ai dit tout le monde. Si y en a qui ont pas été cités, manifestez-vous maintenant, parce qu'après j'arrête la vidéo. Alors dites-moi tout. Ouais, ok, bon, d'accord. Bon, foncez dans le tas à main nue. Juste une fois pour faire plaisir à Skyblue. Mais il y a. Oh, Alia. Ok. Qui ça? Ah, la Bob Lennon? Non mais je sais pas faire le cri de Bob Lennon, moi. BULIA! Un truc du genre. BULIA! Crève! Ah! Ah! Meurs, enfoiré! Crève! Crève! Ah! Ah! Crève! 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 Non, j'ai survécu, sérieux? Putain de merde! J'ai survécu! Bordel! Putain, je m'y attendais pas, celle-là, moi je m'attendais à crever. Putain! Bon! Eh ben c'est la classe, je finis en plus sur une action classe, hein, je dis merci à... Je dis merci à Skyblue, hein, qui m'a donné l'occasion de faire une action classe, hein, pour la fin de cette vidéo. Et bien sûr, ben voilà, maintenant, les vidéos de Fear qui mettent 150 000 ans à arriver, la dernière vidéo date de 2011, ça n'arrivera plus, merci aux poubelles qui se manifestent, là. Voilà. Et puis sur ce, moi je vous dis ciao les gens et à une prochaine, ça m'a fait plaisir. Allez, à plus.
Mmh.